Salut les élèves, dans cette vidéo, nous allons expliquer la réaction chimique entre la lame de zinc et la solution de sulfate de cuivre. S'il vous plaît, ouvrez vos livres à la page 47 pour expliquer l'activité 1 du chapitre 3, réactivité des métaux. Réactivité des métaux zinc et cuivre. On plonge dans le premier bécher une lame de zinc dans la solution de sulfate de cuivre. Donc, les réactifs sont Zn et Cu2 plus SO4 de moins. N'oubliez pas que SO4 de moins est un ion spectateur, c'est un ion indifférent qui ne participe pas à la réaction. Donc, on peut dire que les réactifs sont Zn et Cu2 plus. Dans le deuxième bécher, on plonge une lame de cuivre dans la solution de sulfate de zinc. Donc, les réactifs sont Cu et Zn2 plus SO4 de moins. De même, SO4 de moins est un ion indifférent qui ne participe pas à la réaction. Donc, on peut dire que les réactifs sont Cu et Zn2 plus. On remarque qu'il y a une réaction chimique dans le premier bécher, tandis que dans le deuxième bécher, rien ne se passe. C'est-à-dire pas de réaction. Écoutez les élèves. La couleur bleue de la solution de sulfate de cuivre est due à la présence des ions Cu2+. Et la lame de zinc est de couleur grise. Regardez cette expérience. L'intensité de la couleur bleue de sulfate de cuivre diminue. Ceci indique que la quantité des ions Cu2+ diminue. Et on a des atomes métalliques Cu qui sont déposés sur la partie immergée de la lame de zinc dans la solution de sulfate de cuivre. Donc on peut dire que le zinc se transforme en ion Zn2 plus qui tombe dans la solution et Cu2 plus se transforme en Cu qui s'accroche sur la partie immergée de la lame de zinc. Regardez la différence entre ces deux béchers. Ici, il n'y a pas de réaction. Les réactifs sont Cu et Zn2+. Et dans le premier bécher, il y a une réaction et les réactifs sont Zn et Cu2+. Donc, on peut déduire que le zinc est plus actif que le cuivre. Avec cette expérience, on se propose de mettre en œuvre la réaction chimique entre la lame de zinc métallique et la solution du sulfate de cuivre contenant les ions Cu2+. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à bientôt.